Bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. Presque 7 heures, Marie-Claude Leblanc, je suis la directrice de l'arrondissement d'Outremont. Ça me fait plaisir de vous souhaiter la bienvenue ce soir. On va laisser les gens se connecter. On va débuter dans quelques minutes. Je vous demanderai si ce n'est pas déjà fait de fermer votre micro pour éviter les bruits de fond. Et on débute dans quelques minutes. Bien, moi. Monsieur Dejean, je vous inviterai peut-être à mettre votre présentation PowerPoint pendant que je vais dire les directives de début. Alors, encore une fois, bonsoir tout le monde. Mon nom est Marie-Claude Leblanc, je suis la directrice de l'arrondissement d'Outremont. Ça fait plaisir de vous accueillir ce soir. Je serai votre animatrice. Je vais vous demander de garder vos micros fermés pour assurer la fluidité de notre présentation. Et puis, je vais aussi vous informer là, que la présentation, elle est enregistrée ce soir. À noter qu'il y aura une période de questions à la fin de la conférence de Dr. Dejean. Je vais pouvoir prendre les mains levées et puis ça fera plaisir à Monsieur Dejean là, de pouvoir répondre à vos questions. Alors, sans plus attendre, je vais laisser la parole à Monsieur Dejean. Bonne conférence. Bonsoir à toutes et tous. Donc, juste tout le monde m'entend bien. Ça a l'air. Ok, parfait. Donc, bonsoir à toutes et tous. Je tiens tout d'abord à remercier l'arrondissement d'Outremont d'avoir pris l'initiative d'organiser cette présentation du rapport, même si c'est sur Zoom. C'est sûr que c'est toujours moins convivial. Mais je pense que c'est important de le faire, sachant qu'il y a déjà eu des présentations qui ont pu être faites en interne. Alors peut-être que pour entrer dans le vif du sujet, je vais prendre pour point de départ de ma présentation l'article qui est paru ce matin dans le journal La Presse et que peut-être certaines et certains d'entre vous avaient lu. Article qui a fait sourciller, je pense que c'est un euphémisme, un certain nombre de personnes. Alors, cet article est pour moi vraiment une introduction et je pense que c'est parfait pour ce que j'aimerais partager ce soir. Je pense que l'article et ma réaction à l'article va être l'occasion d'introduire ma présentation, mais également de clarifier ma posture de chercheur dans ce dossier particulièrement sensible qui, comme vous le savez, polarise beaucoup à l'heure actuelle. Pour rappel, dans le préambule du rapport, peut-être que certaines et certains ont pris connaissance du rapport, dans le préambule du rapport, je précisais que je m'étais forcé de tenir à distance de deux positions qui ont le mérite de la simplicité, mais sans doute pas le souci de la complexité de la réalité. La première considère que les juifs hassidiques seraient les victimes de militants peu nombreux mais très bruyants, mus par un sentiment anti-hassidique voire antisémite. À l'opposé, la seconde affirme que les communautés hassidiques n'ont que faire de leurs concitoyennes et concitoyens, n'agissent que dans leur propre intérêt, quitte à prendre des libertés avec les règlements municipaux en vigueur. Donc, que ce soit au cours de la recherche ou dans la rédaction du rapport, nous avons été guidés, je dis nous parce que je n'ai pas été tout seul pour cette recherche, par la recherche d'un équilibre qui ne tombe précisément pas dans le piège d'une prise de position militante, quelle que soit la position considérée.
Et l'article de la presse, à la lecture de l'article, on a l'impression que la conclusion du rapport serait qu'il y aurait une pénurie de synagogues, et je cite le terme de pénurie. Je ne souscris absolument pas au choix de ce terme qui, à mon avis, offre une caricature de la réalité. Oui, il y a des besoins de la part de communautés hassidiques en termes de synagogues et en ce qui concerne la place disponible dans certaines synagogues, et c'est effectivement un enjeu de taille, mais je pense que le terme de pénurie est assez mal choisi et il est excessif. Autre point important qui a été développé dans l'article et dans le rapport, j'en parlerai un peu moins ce soir parce que c'est des éléments assez juridiques et assez techniques, mais dans l'article, il y avait l'idée que les dispositifs réglementaires en vigueur à Montréal, pas simplement à Outremont, mais à Montréal, brimeraient d'une certaine façon la liberté de religion qui, comme vous le savez, la liberté religieuse est une liberté constitutionnelle garantie par la Charte canadienne des droits et libertés et par la Charte des droits et libertés québécoises. Alors, l'idée que la réglementation en vigueur concernant les lieux de culte viendrait brimer la liberté de religion avait notamment été défendue dans un mémoire déposé par des responsables hassidiques lors de la consultation sur le racisme et la discrimination systémique il y a de cela quelques mois. D'ailleurs, je cite ce document dans le rapport, document qui est disponible sur Internet. Alors, si la réglementation en vigueur, et encore, il faudrait passer en revue l'ensemble des pratiques des arrondissements, ont bien des conséquences sur les groupes religieux minoritaires, en ce qu'elles rendent parfois difficile l'accès à l'espace, et c'est un fait, la réglementation fait peser des contraintes sur les groupes religieux, c'est un fait indiscutable. En revanche, le fait de présenter ces réglementations comme brimant nécessairement la liberté de religion est largement discutable. C'est pour ça que dans le rapport, j'avais tenu à inclure une partie qui discute, en prenant appui sur des sources de nature juridique, la question de la liberté de religion. Alors, je ne vais pas développer ce soir cette partie-là, c'est dans le rapport, vous pouvez aller voir, mais il y a ici un enjeu central. Après avoir fait cette petite mise au point, le rapport entend rendre compte des multiples fonctions et aspects des synagogues et s'efforce de dégager les enjeux urbains dont ces lieux sont porteurs. Alors, en effet, ces enjeux sont tout autant religieux qu'urbanistiques et politiques. Alors, la méthode qui a été mise en œuvre dans cette recherche a permis de montrer la complexité et l'enchevêtrement de ces enjeux. Donc, il y a trois niveaux d'enjeux que j'ai indiqués ici sur le PowerPoint. À un premier niveau, les synagogues se situent au cœur du système socio-spatial hassidique et ne doivent donc pas être considérées isolément, mais intégrées dans un ensemble de lieux et d'institutions qui structurent le quotidien des membres et participent grandement au maintien dans le temps des identités communautaires, et j'aurai l'occasion d'y revenir dans ma présentation. Il y a un deuxième niveau qui est le niveau davantage urbanistique, puisque en tant que lieu de culte, les synagogues intéressent les arrondissements parce qu'elles font l'objet d'un encadrement urbanistique, c'est ce qu'on appelle le zonage religieux, et qu'elles se trouvent de fait au cœur de questionnements portant sur les meilleures façons d'aménager le territoire. De ce point de vue-là, ce qui se passe à Outremont n'est pas isolé et on pourrait faire des observations assez similaires dans d'autres arrondissements de Montréal. Pour le dire simplement, les arrondissements, notamment Outremont et le plateau Mont-Royal, évoluent, à mon sens, sur une mince ligne de crête entre les besoins des communautés hassidiques, qui sont des besoins légitimes, mais également les intérêts de l'ensemble de la population, dont les membres des communautés hassidiques font partie. Enfin, il y a un troisième niveau, que les synagogues ne laissent pas indifférents les citoyennes et les citoyens non hassidiques. En effet, ces synagogues entrent dans la composition du paysage urbain et peuvent, dans certains cas, affecter le quotidien des résidents et des résidentes. Les querelles qui ont émaillé l'histoire récente d'Outremont et du plateau Mont-Royal montrent que ces conséquences sont en partie vécues comme des nuisances. C'est d'ailleurs pour rendre compte des enjeux de cohabitation urbaine que j'avais inclus dans ma recherche des entrevues avec des résidents et des résidentes non hassidiques d'Outremont et du Maine-et-Loire. Donc, dans la dernière partie de ma présentation, je reviendrai là-dessus. Donc, pour cette présentation, alors j'essaye de faire bouger le PowerPoint, voilà. Principalement, je vais reprendre les trois parties importantes du rapport,
Tout d'abord, décrire la présence acidique à Outremont et dans le Mile End, en mettant en lien avec l'évolution des synagogues. Dans une deuxième partie, je parlerai des enjeux réglementaires. Et enfin, dans une troisième partie, je me fonderai essentiellement sur les entrevues qui ont été réalisées avec des résidents en ce qui concerne l'impact des synagogues sur la réalité du vécu des résidents et des résidentes. Alors, pour commencer, premier élément, la présence hassidique et la centralité de la synagogue. Alors, ici, quelques éléments démographiques. Alors, évidemment, le mandat qui était le mien portait sur les synagogues, mais il est, à mon sens, important de tenir compte d'un certain nombre d'éléments de démographie et de les mettre en lien avec l'évolution de la géographie des synagogues à Outremont et dans le Mile End. Donc, vous le savez probablement, la présence hassidique à Montréal s'inscrit dans une phase de reconstruction des communautés hassidiques en Amérique du Nord dans le contexte de l'après-Seconde Guerre mondiale. Et ici, les chiffres que je présente s'appuient, et les chiffres que je reprends dans le rapport, proviennent d'une étude démographique réalisée par Charles Chahar en 2019, étude démographique qui s'inscrivait dans les études et les recherches qui ont été commandées par l'arrondissement. Alors ici, je reprends deux tableaux produits par Charles Chahar dans son étude démographique et qui vont montrer l'évolution des l'évolution, en tout cas la situation en ce qui concerne les populations hassidiques. Donc sur le premier tableau, on voit la situation actuelle des quatre communautés les plus importantes et les plus représentées à Montréal, à savoir les Bels, les Satmar, les Sver et les Vichnitz. On a sur la colonne de gauche le nombre de ménages et sur la colonne de droite le nombre de personnes. Donc on voit très bien ressortir qu'on a bien les deux communautés les plus importantes, ce qui sont les Bels et les Satmar. Sur le deuxième tableau, on a ici une représentation qui prend différents pas de temps, donc qui montre l'évolution depuis le début des années 2000 jusqu'à aujourd'hui du nombre de ménages dans les différentes communautés. Charles Chahar souligne que la croissance la plus forte entre 2014 et 2019 concerne en partie la communauté Vichnitz, mais également d'autres petites communautés qui ne comptent parfois que quelques familles à Montréal. Parmi ces petites communautés, on peut citer les Trisk ou encore les Klausenberg. Donc, cette croissance des communautés a des conséquences dans les besoins en termes de synagogues, puisque les petites communautés aspirent après un certain temps à disposer de leur propre synagogue. Par ailleurs, je tiens à souligner que dans un profil sociodémographique correspondant au recensement de 2016, on rappelait qu'Outremont comptait un peu moins de 24 000 habitants, et donc on peut estimer que les hassidiques représenteraient environ 22% de la population totale de l'arrondissement. Chiffre, donc 22%, chiffre inférieur aux 25% qu'on leur attribue régulièrement dans la presse. Alors, soulignons qu'en 2000, leur part est estimée était de 15% environ pour une population totale de 23 000 personnes dans l'arrondissement. Et au milieu des années 90, dans un article qui était paru, un article scientifique, la professeure, la juriste de McGill, Shona Van Prague, estimait qu'environ 3 à 4 000 juifs hassidiques vivaient dans Outremont. Par ailleurs, si on remonte dans le temps, le professeur Pierre Antil estimait qu'au moment de la crise d'Outremont de 1988, Outremont comptait moins de 12% de hassidiques, chiffres qui sont difficiles à vérifier puisque dans le document en question, Pierre Antil ne cite pas sa source. Ce qui est important de voir, c'est de bien comprendre le lien qui existe entre la géographie des synagogues et la démographie dont je viens de parler.
En effet, si la croissance numérique est bien une variable explicative pour comprendre la géographie actuelle des synagogues, donc c'est une donnée directement quantitative, il y a également un enjeu ou une dimension qualitative en ce qui concerne le morcellement de l'univers hassidique qui doit être pris en considération. Comme vous le savez probablement, parfois on va parler de la communauté hassidique, mais c'est bien évidemment un abus de langage, puisqu'en fait il faudrait parler des communautés hassidiques. Et d'ailleurs, au sein même de ces communautés, on trouve parfois des sous-divisions. Donc on a un paysage institutionnel hassidique qui est particulièrement émietté et fractionné. Et donc ce morcellement doit être pris en considération. Ce qui est intéressant de noter, c'est que dans le cas des plus petites communautés qui se sont installées ces dernières années à Montréal, si dans un premier temps, suite à l'installation, les membres d'une communauté se joignent aux synagogues qui n'appartiennent pas nécessairement à leur tradition, dès que les membres sont suffisamment nombreux, ils s'efforcent de disposer de leur propre synagogue. Et dans les entrevues que nous avons réalisées, les responsables de ces petites communautés l'exprimaient très bien lorsqu'ils disaient que oui, ils peuvent fréquenter des synagogues qui n'appartiennent pas à leur communauté, mais que malgré tout, ils se sentent plus à l'aise lorsqu'ils fréquentent des lieux qui correspondent à leur tradition, à leur façon de faire, notamment à leur façon de la façon de prier. À deux reprises, on a eu l'occasion de réaliser des entrevues avec des représentants vraiment de petites communautés, qui regroupent parfois seulement quelques familles à Outremont et dans le Milet. Et il ressortait de ces entrevues ce que j'ai appelé dans une autre recherche, ce que j'appelle dans mon langage de chercheur, une sorte de précarité spatiale, c'est-à-dire une adaptation permanente à des contraintes sur lesquelles ces communautés n'ont pas ou peu de prise. Ainsi, par exemple, parmi les deux communautés dont je parlais, l'une s'est réunie dans une petite yeshiva, c'est-à-dire une école fréquentée par les garçons, tandis que la seconde loue à l'occasion du Shabbat un local à un organisme communautaire grec du plateau Mont-Royal. En ce qui concerne les synagogues qui ont été identifiées pendant dans la recherche, donc je reprends dans le rapport qui est disponible en ligne, j'ai proposé un tableau. En ce qui concerne l'arrondissement d'Outremont, donc j'ai pu noter donc il y a cinq synagogues, je dis cinq synagogues plus une, puisque il y a cinq synagogues qui sont identifiées comme telles, et également un lieu que je qualifierais de lieu de lieu problématique, au sens où il s'agit d'une résidence sur Saint-Viateur et que lors de la recherche, plusieurs résidents et même les fonctionnaires de l'arrondissement m'ont signalé que sur ce lieu en question, il y avait des doutes quant à sa nature et quant à sa fonction. Dans le cadre du plateau Mont-Royal, on a relevé une vingtaine de synagogues. Alors, quand je dis une vingtaine, parce que ça tient compte de l'ensemble des adresses pour lesquelles il y a un certificat d'occupation d'activité religieuse. Et il faut également avoir en tête que la conversion récente, donc l'achat par une communauté hassidique de l'ancienne Chinese Presbyterian Church, qui va être convertie probablement, qui a été rachetée par une communauté Bells, c'est en fait une communauté Bells de l'avenue du Parc qui va déménager pour s'installer dans cette ancienne église presbytérienne. Par ailleurs, j'ai également mentionné dans le rapport deux mikvés, c'est-à-dire des bains, des espaces de bains qui sont des bains traditionnels religieux qui sont réservés aux femmes et qui se situent aux franges du quartier hassidique. Ce qui est intéressant de souligner, c'est que ces deux mikvés n'ont pas le même, ne sont pas zonés de la même façon, puisque l'un apparaît comme possède un certificat d'activité religieuse, alors que le deuxième a un certificat d'activité communautaire. Ce qui permet déjà d'introduire un élément important, il me semble, c'est la difficulté d'identifier la nature exacte et les fonctions de ces lieux, ce qui me permet de le rapport, et c'est quelque chose que je fais généralement depuis quelques années, de questionner ou d'interroger la nomenclature actuellement en vigueur en ce qui concerne les lieux de culte.
Alors, les recherches qui portent sur la géographie des groupes religieux minoritaires à Montréal, ces recherches ont mis en évidence le caractère mouvant et rapide de cette géographie, de ce paysage religieux. En effet, certains groupes s'installent dans les locaux de façon temporaire afin de pouvoir déménager, de sorte que l'établissement d'une cartographie des lieux de culte et également des synagogues doit toujours être replacé dans cette réalité. Ce qui fait que ce qu'on observe sur le terrain à un instant T, il est possible que 3 ou 4 mois après, le paysage est évolué. Dans le rapport, je m'attarde sur certains lieux, sur certaines adresses, notamment bon, le cas du 1050 Saint-Viateur, puisque plusieurs résidents avec lesquels je me suis entretenu ont affirmé ou me disaient que selon eux, cette maison était utilisée comme une synagogue. Alors, en entrevue, des fonctionnaires des services de l'urbanisme ont également reconnu qu'ils avaient des doutes quant aux usages réels du bâtiment. Mais depuis la fin de la recherche, je n'ai pas eu l'occasion de voir si l'investigation de l'arrondissement avait évolué en ce qui concerne cette adresse. Ce qui était intéressant, à mon sens, et ce que je cite, ce que j'explique dans le rapport, en citant des fonctionnaires avec lesquels je me suis entretenu, c'est que lorsque les services de l'arrondissement ont effectué une visite, ils n'ont pas été en mesure de statuer avec certitude sur la nature du lieu. Ainsi, un fonctionnaire expliquait, et je cite, on comprend que c'est un bâtiment qui ne démontre pas un usage résidentiel typique, on n'a pas une grande cuisine, la salle familiale est très grande et il y a comme un mur qui a été soufflé devant les fenêtres avec une espèce de butrin, ce qui donnerait l'impression que l'on peut recevoir des gens et qu'il pourrait y avoir des cérémonies à l'intérieur de ce bâtiment. Mais l'aménagement, c'est une chose, mais ce n'est pas assez fort qu'on puisse dire hors de tout doute que c'est un lieu de culte. Alors, il me semble qu'un tel témoignage, un tel exemple, témoigne de la difficulté pour les gens qui ne sont pas des spécialistes de cette tradition religieuse de décoder des dispositifs intérieurs et les différents aménagements. Alors, dans le rapport, si vous vous référez au rapport, je mets de l'avant 3 éléments. Donc, il y a la question peut-être de l'évolution du centre de gravité des synagogues, puisque aujourd'hui, je dirais que là où ça se passe, c'est l'avenue du Parc, qui aujourd'hui, sans conteste, si on regarde les adresses, c'est aujourd'hui l'axe de développement des synagogues, en partie au sud de Bernard, parce que là, la réglementation du plateau les autorise, mais également, on a vu apparaître des synagogues au nord de Bernard en direction de l'avenue Vanin. Le deuxième élément, et je reviendrai un peu plus loin, c'est l'enjeu entourant les certificats d'occupation, puisque vous le savez, pour une activité religieuse, comme n'importe quelle activité, vous devez obtenir un permis, un certificat d'occupation, et il existe dans la réglementation montréalaise et dans la réglementation des arrondissements des certificats d'occupation pour activités religieuses. Bon. Si vous regardez le rapport et le code couleur que j'ai utilisé, on voit que toutes les synagogues n'opèrent pas en usant de ce type de certificat d'occupation. J'y reviendrai peut-être un petit peu plus loin. Le troisième élément, c'est tous les enjeux relatifs à l'identification des lieux de culte. Et donc, bon, c'est ce que j'ai montré à travers l'exemple du 1050 Saint-Viateur. Si on regarde un peu plus en ce qui concerne peut-être les pratiques de l'espace et les rapports que les membres des communautés entretiennent avec les lieux, puisque c'était un peu l'un des objectifs de cette recherche, c'était de comprendre l'importance et de quelle façon les membres des communautés se rapportent à ces lieux de culte. La littérature sociologique disponible met de l'avant l'idée que la vie orthodoxe se définit à travers un mode de relation à la synagogue. La synagogue est donc au cœur des stratégies résidentielles et occupe le temps et l'imaginaire des membres des communautés. De fait, et c'est ce que nous ont expliqué les membres des communautés que nous avons rencontrés en entrevue,
La synagogue est occupée quasiment en continu. Ainsi, beaucoup des représentants qu'on a rencontrés nous expliquaient, et souvent prenaient l'exemple, disaient, bah, dans le cas des synagogues, c'est très différent d'autres traditions religieuses où le lieu de culte va être utilisé peut-être une ou deux fois par semaine à des horaires très particuliers. Eux nous disaient, dans notre tradition, la synagogue est occupée quasiment en continu, pas seulement pour des activités de prière, mais également pour des activités d'études et également pour socialiser. Donc, il y a un certain nombre de citations que j'ai repris dans le rapport. Dans un ouvrage classique en sociologie des religions du sociologue Samuel Hellman, un ouvrage intitulé Synagogue Life, donc qui traite justement de la vie d'une synagogue juive, Samuel Hellman explique que ce qu'il appelle la vie de synagogue ne comprend pas uniquement des activités strictement religieuses, mais concerne plus largement les relations sociales entre les membres de la communauté. Il rappelle que la synagogue est certes un lieu de prière, la prière du matin et du soir en semaine, et surtout lors du Shabbat et pour les grandes fêtes, mais que la synagogue est également un lieu de rassemblement et un lieu d'étude. Et ça, dans les entrevues, c'est quelque chose qui est très fortement ressorti. Certaines personnes nous disaient, la synagogue, c'est un peu comme un café, c'est un lieu où on vient socialiser, où on vient discuter. Dans un texte paru dans un ouvrage collectif sur les Juifs hassidiques de Montréal, qui avait été publié aux Presses universitaires de Montréal, les chercheurs Steven Lapidus et William Shafir s'intéressent à la capacité des communautés hassidiques à préserver leur identité et à cultiver à la fois la proximité spatiale entre les membres et la distance sociale avec le reste de la société. Donc, ils essaient de voir comment est-ce que les communautés cohabitent avec des non-juifs hassidiques, mais en même temps conservent une distance sociale avec ces personnes. Et selon les deux chercheurs, il est possible de comprendre ce qu'ils appellent cette énigme profonde en faisant intervenir une notion que je trouve particulièrement intéressante, qui est la notion de complétude institutionnelle, expression qui a été forgée par un sociologue au milieu des années 60. Alors, l'idée de cette notion de complétude institutionnelle, c'est l'idée selon laquelle une communauté va être en mesure de préserver son identité dans la mesure où elle va pouvoir disposer d'un ensemble de lieux et de services institutionnels qui vont être à l'usage de ses membres, notamment dans les domaines religieux, dans les domaines de santé, en ce qui concerne les commerces, mais également dans le domaine de l'éducation. Donc, au départ, c'est à propos des communautés ethniques et immigrantes que le sociologue Raymond Breton avançait l'idée qu'un groupe ethnique parvenait d'autant mieux à préserver son identité et à la transmettre qu'il possédait des ressources institutionnelles en propre dont peuvent bénéficier l'ensemble des membres. Lapidus et Shafir, dans le texte dont je parlais, expliquent que les communautés hassidiques dispose d'une série d'institutions éducatives, religieuses et économiques, de sorte qu'elles incarnent des exemples quasi achevés de complétude institutionnelle. Parmi ces institutions, en tant que lieu de prière, d'étude et de socialisation communautaire, les synagogues occupent une place essentielle. Donc c'est pour ça qu'en introduction, je disais que les synagogues doivent être replacées dans ce que j'appelle un système socio-spatial, c'est-à-dire que la synagogue doit être replacé dans tout un réseau de lieux et d'institutions qui sont centrales dans la vie des communautés. Si on regarde maintenant ce qui concerne les limites des lieux actuels et les besoins exprimés par les personnes que nous avons rencontrées. Dans les entrevues, les représentants et les leaders ont insisté sur le manque de place et sur le besoin de disposer de lieux décents pour la communauté. Ainsi, en entrevue, un représentant de synagogue expliquait que sa communauté compte environ 180 hommes et qu'elle est en croissance. Et selon lui, les locaux sont désormais trop exigus, ce qui a pour conséquence que les femmes de la communauté ne peuvent pas participer ou seulement occasionnellement aux activités religieuses.
Par ailleurs, de façon à ne pas se sentir trop oppressés, les membres de la communauté se rendent pour les prières de la semaine dans d'autres synagogues du quartier. Ce qui est aussi un élément important, c'est que pour les prières quotidiennes, les membres des communautés vont se rendre parfois dans des synagogues qui ne sont pas de leur communauté d'origine, alors que pour Shabbat, ils vont vraiment davantage se rendre dans la synagogue de leur propre communauté. Néanmoins, le fait de, en quelque sorte, on pourrait parler d'un délestage religieux, c'est-à-dire le fait d'aller prier dans d'autres synagogues, n'est pas une solution viable sur le long terme. Et selon le représentant que nous avions rencontré, un jour viendra où il leur faudra acheter ou trouver un nouveau lieu, un nouveau bâtiment. Donc, face au défi de la croissance démographique de leur communauté, les représentants des synagogues rencontrés ont mentionné diverses stratégies susceptibles d'être adoptées dans le futur. Il y en a trois principales. La première, c'est tout simplement l'ouverture d'une nouvelle synagogue. Mais l'ouverture d'une nouvelle synagogue a un prérequis, c'est que la localisation de la synagogue doit coïncider avec la localisation des fidèles qui vont se rendre à la synagogue. La deuxième option, c'est la fermeture de la synagogue actuelle et le déménagement dans un lieu plus grand, répondant davantage aux besoins des communautés. C'est par exemple ce que vient de faire la communauté Bels en faisant l'acquisition de l'église presbytérienne dont je parlais, à l'intersection des rues Hutchison et Saint-Viateur. Mais là encore, se pose la question du fait qu'il faut que la localisation de la synagogue coïncide avec la localisation des membres des communautés. La troisième option, c'est l'agrandissement de la synagogue existante. Cette solution, a priori la plus simple, ne va pas sans certaines difficultés, comme en a témoigné la controverse autour de l'agrandissement de la synagogue des Bobov sur la rue Hutchison il y a quelques années, puisque ça avait donné lieu à un référendum et qu'à l'issue du référendum, la communauté n'avait pas obtenu l'autorisation d'agrandissement. Par ailleurs, si la taille de la synagogue est un élément important, elle s'inscrit dans un souci plus large de confort et de décence de lieu. Plusieurs responsables indiquaient que certains de leurs membres fréquentaient plus volontiers des synagogues ne relevant pas de leur tradition, de façon à se sentir plus à l'aise. Et comme rappelé précédemment, les hommes fréquentent plusieurs fois la synagogue de sorte que le confort constitue un enjeu à ne pas négliger. Donc au terme de cette première partie, ce qui me semble important c'est que il y a effectivement des besoins, mais que ces besoins ne sont pas les mêmes selon toutes les communautés, puisque la croissance récente des communautés n'a pas été faite sur le même rythme, et que par exemple, ces dernières années, les communautés Vichnitz ont ouvert plusieurs synagogues, ce qui témoigne d'une dynamique démographique de la part de cette communauté. Je passe maintenant à la deuxième partie concernant le cadre réglementaire. Pourquoi ça ne bouge pas ? Voilà. Je voudrais mettre dans cette partie, je voudrais mettre de l'avant quelques points importants. Le premier point, c'est la question des nomenclatures. Donc, ce qui rejoint ce que je disais dans la première partie en ce qui concerne la question des certificats d'occupation. Et là, ce qu'on observe à Outremont et sur le plateau, le commentaire qu'on peut faire de ce qui se passe actuellement dans ce territoire de Montréal, on pourrait faire un commentaire similaire dans d'autres arrondissements. Puisqu'en effet, plusieurs groupes religieux ne vont pas faire des demandes pour des certificats d'activité culturelle et d'activité religieuse, mais font des demandes pour des activités culturelles et communautaires. Alors à ça, il y a plusieurs raisons, notamment le fait que c'est plus simple d'obtenir un certificat pour des activités communautaires et culturelles. Et par ailleurs, il y a une deuxième raison, c'est qu'il se trouve que c'est très difficile pour les fonctionnaires dans un arrondissement d'opérer une distinction claire entre ce qui relève du religieux, du communautaire et du culturel et du culturel. Et donc, on a bien une difficulté là en ce qui concerne les types de certificats et ce qui permet d'expliquer pourquoi est-ce que vous avez certaines synagogues qui opèrent avec deux types de certificats.
Par ailleurs, dans le rapport, il y a un lieu auquel je pense, où là, la communauté utilise un certificat, en fait, le lieu de la synagogue. C'est en fait une école, c'est en fait une yeshiva, et donc le certificat d'occupation, c'est pour un établissement d'enseignement spécialisé. Mais c'est quand même utilisé comme une synagogue. Et donc, en ce qui concerne la délicate distinction entre le cultuel et le communautaire, lors d'une entrevue, un fonctionnaire de l'arrondissement du plateau Mont-Royal reconnaissait que, je cite, pour nous, faire la démarcation entre un centre communautaire et un lieu de culte, sincèrement, ce n'est pas facile, surtout qu'on ne connaît pas les pratiques. C'est justement face à cette difficulté qu'en 2013, le plateau Mont-Royal avait modifié son règlement de zonage sur l'avenue du Parc, de façon à éviter que systématiquement des synagogues s'installent en utilisant un permis, un certificat d'occupation pour activités culturelles et communautaires. Donc, les enjeux qui entourent les nomenclatures actuelles témoignent du fait que l'encadrement urbanistique du religieux est inscrit dans une matrice ancienne dont les réalités sont essentiellement chrétiennes. Un fonctionnaire dans une division de l'urbanisme soulignait que, je cite, le zonage a été conçu avec l'idée que les lieux de culte sont des lieux de rassemblement où l'on va une fois par semaine, peut-être deux. On transpose un type d'usage sur un autre lieu de culte avec des pratiques différentes que l'on comprend plus ou moins bien. C'est sûr que ce n'est pas parfait. De ce point de vue-là, ce qu'on observe à Outremont et dans le Plateau peut être observé dans d'autres arrondissements, puisque l'usage des lieux de culte par des groupes religieux minoritaires sont souvent très différents de ce qui prévalait dans la tradition majoritairement chrétienne. Si on regarde maintenant un petit peu, si on peut prendre rapidement ce qui se passe dans les deux arrondissements qui étaient à l'étude dans le rapport. En ce qui concerne le plateau Mont-Royal, le plateau Mont-Royal, c'est intéressant parce que en 2013, le plateau Mont-Royal a procédé à des modifications de son règlement de zonage, ce que je soulignais tout à l'heure, s'engouffrant d'ailleurs de ce point de vue-là dans la voie qui avait été ouverte quelques mois plus tôt par l'arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, qui avait entrepris une clarification du vocabulaire utilisé, distinguant centre communautaire et lieu de culte. Donc, il y avait eu une tentative, et puis on le voit maintenant, depuis quelques années, quand vous lisez les règlements de zonage dans les arrondissements, on définit, non seulement on va définir ce qui est un lieu de culte, ce qui est parfois compliqué, parce qu'on définit le lieu de culte comme le lieu où se tiennent des activités religieuses, sauf qu'il n'existe pas de définition juridique de ce qu'est une activité, de ce qu'est la religion en droit. Autre élément qui est intéressant, c'est que le tableau des synagogues, qui est aux pages 13 et 15 du rapport, montre que plusieurs synagogues sont localisées sur l'avenue du Parc, et il se trouve que, comme je l'ai mentionné précédemment, les lieux de culte sont autorisés de plein droit sur l'avenue du Parc, au sud de Bernard. En revanche, pour la section qui s'achève sur Van Horn, les demandes pour des lieux de culte sont traitées sous la forme de projets particuliers. Ce fut par exemple le cas de la synagogue qui est située entre le 58-66 et 58-76 avenue du Parc et qui est en photo. Alors, en fait, j'aurais pu actualiser la photographie parce que le bâtiment a évolué depuis. Mais ce qui est intéressant dans ce cas-là, c'est que la synagogue a été réalisée par un projet particulier. Et la documentation disponible qui accompagnait l'Assemblée publique de consultation en mai 2014 stipulait que le sous-sol serait équipé, je cite, d'un espace qui sera dédié aux bains cérémoniaux, aux vestiaires, à la cuisine communautaire et à une salle d'études. Quant aux espaces culturels, proprement dit, ils occuperont les deuxième et troisième étages. Alors, si les travaux ont été réalisés, au moment de l'étude, la façade n'avait pas été complètement achevée. Et d'ailleurs, en entrevue, les résidents et les résidentes regrettaient que les travaux ne tardent,
Je pointe cet élément-là parce que la question de l'aspect, de l'esthétique, l'aspect extérieur des synagogues est un élément qui est revenu à plusieurs reprises dans mes entrevues avec des résidents et des résidentes non hassidiques. Le document de 2014 concernant spécifiquement ce bâtiment explique qu'au rez-de-chaussée, je cite, deux espaces commerciaux locatifs seront proposés. Des démarches ont été entreprises en collaboration avec la CEDEC du Centre-Sud Plateau-Mont-Royal pour accueillir des entreprises d'économie sociale. Et donc ainsi, on voit que la présence de commerce dans ce bâtiment s'inscrit dans le souhait de l'arrondissement de travailler sur l'interface avec le milieu. Et ce qu'on m'a dit en entrevue, c'est qu'on ne veut pas un élément opaque en bordure de trottoir. On veut qu'il y ait une interrelation. On veut que ce qui se passe à l'intérieur soit en relation avec la rue pour des raisons de sécurité et d'animation. Ce point-là me semble absolument fondamental. C'est la question de, je dirais, l'interface entre ce qui se passe dans la rue et ce qui va se passer dans les lieux en rez-de-chaussée. Ce qui est intéressant, c'est que ce qu'on observe à Outremont et surtout sur le plateau au niveau de l'avenue du Parc, c'est-à-dire la transformation de commerce en synagogue, a pour conséquence de souvent vous allez avoir une opacification de la vitrine. Or, par essence, la vitrine permet justement d'établir le contact, de faire l'interface entre ce qui se passe dans la rue et de rendre visible ce qui se passe à l'intérieur. Il se trouve que plusieurs arrondissements, au cours des dernières années, ont fait le constat selon lequel l'établissement de lieux de culte dans d'anciens commerces n'était pas souhaitable. Donc là, ça ouvre un vaste débat sur l'impact des lieux de culte sur le dynamisme commercial. Mais pour un certain nombre d'arrondissements, notamment l'arrondissement du Sud-Ouest, qui a été un des premiers à intervenir dans ce domaine-là, l'idée est de dire que la multiplication des lieux de culte et l'opacification des vitrines rendaient impossible le continuum commercial, notamment sur la portion sur une portion de l'artère principale, sur la rue Monk, dans le Sud-Ouest. Donc là, on retrouve quelque chose de vraiment similaire. Et je le souligne parce qu'en entrevue, les résidents non hassidiques, souvent, c'est un élément qui mettait de l'avant la question de l'opacité des lieux. Et donc, selon l'arrondissement et dans les documents disponibles, le projet du 58-70 Avenue du Parc relève d'une démarche d'inclusivité et s'inscrit dans une réflexion urbanistique présentée comme intrinsèquement politique. Et lors d'une entrevue, une fonctionnaire du plateau Mont-Royal expliquait que l'une des difficultés réside dans la conciliation des intérêts et des besoins des communautés particulières et des équipements qui trouvent leur place dans un ensemble de services, dans un ensemble au service de l'ensemble des citoyennes et des citoyens. Donc il y a toujours cette idée qui me semble très importante de l'articulation des besoins légitimes des communautés hassidiques, mais également des besoins de l'ensemble des citoyens de l'arrondissement. Et là, je cite ce qu'elle me disait, c'est souvent sur cela qu'on bute, une non-préservation du patrimoine, une architecture non intégrée. Toute cette relation, le mieux vivre ensemble qui n'est pas toujours mise en valeur dans ces projets parce que les communautés ont des besoins bien spécifiques, indiquons d'ores et déjà on va retrouver une tension similaire dans la dernière partie de la présentation, enfin non, dans la troisième partie du rapport, où je parle de l'équilibre entre la liberté de religion et l'intérêt général. Si on regarde maintenant ce qui concerne l'arrondissement d'Outremont, puisque finalement, au regard de ce qui se passe dans le plateau Mont-Royal, les dynamiques semblent bien modestes dans l'arrondissement d'Outremont. Depuis novembre 2016 et le référendum qui rend maintenant impossible l'ouverture de nouveaux lieux de culte sur Laurier et sur Bernard, donc depuis novembre 2016, il reste une zone indiquée en C6, que j'ai représentée ici, donc c'est un extrait du plan de zonage, à l'intersection de Van Horn et du Rocher, et qui est la seule portion à pouvoir recevoir de plein droit de nouveaux lieux de culte. Donc aujourd'hui, à Outremont, on voit que les possibilités pour les communautés hassidiques d'ouvrir de nouvelles synagogues sont limitées. Alors, on pourrait ajouter que des synagogues peuvent également s'installer dans des bâtiments qui possédaient antérieurement une fonction religieuse, puisque ces bâtiments
dans le plan de zonage sont marqués généralement en H5 et dans l'institutionnel qui concerne les lieux de culte. Et donc, il peut y avoir un transfert entre différentes communautés religieuses. Aujourd'hui, à Montréal, en 2021, c'est quelque chose qui s'est beaucoup fait. Vous avez notamment un certain nombre de communautés protestantes évangéliques qui ont racheté des paroisses, des églises avant catholiques ou encore protestants. Et donc, à Outremont, c'est ce qui s'est passé avec le cas de l'église, la Montreal Chinese Presbyterian Church, dont je parlais précédemment. Néanmoins, la question de la conversion n'est pas évidente. Tout d'abord, un leader nous faisait remarquer en entrevue, il expliquait, nous n'allons tout de même pas souhaiter la fermeture des lieux de culte des autres traditions religieuses pour pouvoir prendre leur place. Par ailleurs, il y a un autre élément qu'il faut prendre en considération et qui a été amené lors de la présentation, quelque chose qui n'est pas dans le rapport et qui a été amené lors de la présentation faite aux fonctionnaires, c'est qu'un certain nombre de ces lieux de culte appartenant à des traditions chrétiennes sont des lieux patrimoniaux et que donc, pour être converti en synagogue, il faudrait également que soient retirés un certain nombre d'éléments décoratifs à la fois à l'intérieur mais également à l'extérieur des bâtiments et que compte tenu de leur caractère patrimonial, ça serait difficile de le faire. Pour finir dans cette partie, voir maintenant quelle est la perception du zonage par les représentants hassidiques et quelles sont les pistes qu'eux ont formulées lors des entrevues. Alors, plusieurs représentants de synagogues, notamment des synagogues qui sont considérées comme illégales, mais je mets des guillemets, ont conscience de cette situation. Donc, c'est-à-dire que dans certains cas, ils savent qu'ils dérogent à la réglementation en vigueur. Mais ils se justifient en expliquant qu'ils n'ont pas vraiment le choix puisqu'ils ne trouvent pas de locaux dans des secteurs ouverts de plein droit au lieu de culte. Donc cela peut conduire certaines synagogues à rester sous le radar ou à faire des demandes, des certificats pour des activités autorisées dans le secteur visé. Par ailleurs, en entrevue, les responsables regrettaient le peu de marge de manœuvre dont ils disposaient pour faire simplement des travaux intérieurs. Par ailleurs, il y a un élément qui est également important, c'est que à mesure que vous avez l'évolution démographique des communautés hassidiques qui se déplacent dans l'ouest de l'arrondissement d'Outremont, vous avez également des besoins en termes de synagogue. Et à ce titre, c'était l'une des explications apportées justifiant l'ouverture d'une synagogue, la synagogue qui va être ouverte à l'intersection de Bernard et Champagneur, c'était justement d'offrir une synagogue aux personnes hassidiques habitant dans l'ouest de l'arrondissement. Et donc, il en ressort des entrevues que le non-respect de la réglementation n'est pas lié à une volonté délibérée de contourner la loi, puisque à ce propos, l'ensemble de nos répondants ont rappelé l'importance de se conformer à la réglementation en vigueur. Mais on peut faire de la lecture suivante qu'il y aurait le sentiment que le règlement de zonage ne tient pas compte des besoins spécifiques des communautés. Alors, les travaux de recherche qui existent sur cette question des lieux de culte religieux, des lieux cultes, des groupes religieux minoritaires et pas simplement hassidiques, ces travaux de recherche traitant de la prise en compte des besoins des groupes religieux minoritaires en matière de lieux de culte rappellent qu'il arrive fréquemment que la prise en compte de la question religieuse par le zonage s'appuie sur une conception obsolète du paysage religieux en décalage avec les réalités contemporaines marquées par le pluralisme et la diversité des situations qui en découlent. Alors, si l'idée que l'évolution récente du zonage laisse les représentants et les leaders hassidiques assez perplexes, tous ne s'accordent pas sur l'interprétation à donner. Et dans nos entrevues, on peut distinguer, je dirais, deux types d'interprétations. Pour certains représentants, la réglementation en matière de lieux de culte témoigne d'un manque de connaissance des besoins et des réalités vécues par les communautés dans les synagogues. Et selon eux, cette méconnaissance aurait une double origine. Tout d'abord, une conception du religieux calquée sur l'héritage chrétien
où les lieux de culte rempliraient moins de fonctions que dans le cadre du judaïsme hassidique, et également le fait que le Québec de 2021 est une société sécularisée au sein de laquelle la religion occupe désormais une place marginale. Une autre interprétation, qui existe également, voit dans la réglementation actuelle des stratégies qui visent directement les communautés hassidiques. Dans le rapport qui avait été déposé lors de la consultation sur le racisme et la discrimination systémique, dans ce rapport-là, c'est la posture, ou c'est le propos, qui, la posture qui a été adoptée, c'est-à-dire que les réglementations, notamment à Outremont, sont des réglementations discriminatoires. Alors, un des répondants que nous avons interrogé n'hésitait pas à dire que la réglementation était tout simplement motivée par la haine et par le sentiment du groupe majoritaire francophone de se faire déposséder de son territoire. Un autre affirma dans une formule lapidaire, alors la formule, je la traduis, c'est basiquement du racisme qui se cache sous les apparences de la loi. Donc il y a vraiment ces deux interprétations qui cohabitent, et dans le cadre du rapport, je ne me prononce pas en faveur d'une de ces deux interprétations. Interrogé sur les pistes de solutions qu'ils aimeraient partager avec les élus et les fonctionnaires, puisque lors des entrevues, systématiquement, on posait la question à la fin, si vous aviez l'occasion de faire une proposition qui serait constructive en ce qui concerne le dossier des synagogues, qu'est-ce que vous proposeriez ? Donc, interrogé, nos interlocuteurs ont formulé des propositions visant à ouvrir davantage le zonage actuel au lieu de culte, de façon à répondre aux besoins des communautés, qui, comme cela a été montré au début de ma présentation, ont des besoins qui sont des besoins réels en matière de synagogue. Alors, les pistes de solutions sont multiples. J'en ai cité ici, je reprends les principaux. Donc, conscient que l'avenue du parc est un axe structurant pour la vie des communautés, plusieurs représentants et leaders ont suggéré que l'arrondissement du plateau ouvre de plein droit les locaux commerciaux au lieu de culte entre Bernard et Van Orme. Plusieurs ont fait remarquer que cette portion de l'avenue est de toute façon peu attractive et que l'ouverture des synagogues serait probablement bien acceptée par les résidents. Je souligne d'ailleurs que certains résidents non hassidiques avaient fait la même proposition en ce qui concerne l'usage de l'avenue du parc. Au contraire, d'autres estimaient que mettre toutes les synagogues sur l'avenue du parc n'est pas une solution viable sur le long terme, puisque la question n'est pas tant le nombre de synagogues que la répartition géographique homogène qui suit les membres des communautés dans le territoire, dans l'arrondissement d'Outremont et dans l'arrondissement du plateau Mont-Royal. Donc, ce que certains représentants nous disaient, c'est que, OK, c'est intéressant de mettre des synagogues sur l'avenue du parc, mais le problème, c'est que si les membres des communautés habitent très loin, ça ne résout pas le problème. Donc, ce qui est important n'est pas tant le nombre de synagogues que leur répartition géographique. Et comme nous avons eu l'occasion de le souligner, nos interlocuteurs ont insisté sur le fait que la synagogue doit être pensée dans son articulation avec le territoire de vie de celles et ceux qui la fréquentent, de sorte que les nouvelles synagogues doivent également répondre à l'évolution du peuplement hassidique. L'autre élément, c'est l'idée que pour certains de nos interlocuteurs, il y avait l'idée toutes les synagogues ne doivent pas être pensées sur le même modèle, mais qu'on pourrait essayer de penser différentes tailles prises par les synagogues. Et compte tenu de la simplicité des aménagements requis pour des simples salles de prière, il serait envisageable d'ouvrir des petits lieux de culte qui desservirait des personnes habitant à proximité. Et c'est d'ailleurs dans cet esprit de mieux desservir les membres des différentes communautés que des leaders sont à l'origine de synagogues
qui ont été qualifiées dans certaines entrevues de non dénominationnelles. C'est-à-dire qu'il y a des synagogues qui ne sont pas liées à une communauté en particulier. C'est pour ça qu'on peut les qualifier de non dénominationnelles, au sens où elles peuvent accueillir des gens issus des différentes communautés, mais qui souhaitent pratiquer dans un autre lieu. Pour certains de nos interlocuteurs, le plus important n'est peut-être pas tant l'ouverture de nouvelles synagogues, mais ça serait davantage de favoriser les travaux d'agrandissement de celles déjà présentes. Ainsi, un leader suggérait que la réglementation pourrait autoriser les congrégations qui occupent un bâtiment à ajouter un étage ou à s'étendre dans des bâtiments qui sont contigus. Une autre suggestion consistait à valoriser le foncier disponible en proposant d'associer des synagogues à des fonctions non religieuses. L'un d'entre eux nous disait par exemple, lorsqu'il y a un stationnement extérieur, pourquoi ne pas construire un édifice associant un stationnement de plein pied et une synagogue à l'étage. Pour finir, j'aimerais parler de la question de l'impact des synagogues sur le quotidien des résidents non assidiques. Alors, je me rends compte que sur mon PowerPoint, c'est inscrit quatrième partie, mais c'est bien une troisième partie. Dans le rapport, j'ouvre cette dernière partie par une citation de l'ancien maire du plateau Mont-Royal, Luc Ferrandez, qui, à mon sens, résume assez bien les enjeux. Donc c'était dans une entrevue, l'ancien maire Ferrandez expliquait « Il y a un paquet de petites nuisances et de petits désagréments qui peuvent hérisser les voisins. C'est ça qu'il faut gérer, pas le droit des communautés religieuses de s'installer sur le territoire. Il faut gérer des nuisances comme on gérerait n'importe quel type de commerce. » Alors, cette citation est intéressante à plusieurs titres. Tout d'abord, dans cette citation, Luc Ferrandez invite à agir sur les conséquences urbanistiques qui découlent des pratiques religieuses et non sur les pratiques religieuses en tant que telles. Hein. Puis ça, c'est un élément que rappelle bien le droit municipal. Un arrondissement n'est pas tant concerné par des pratiques religieuses, mais il est concerné par les conséquences que les pratiques peuvent avoir sur, notamment sur l'environnement urbain qui lui est proche. Donc, ce n'est donc pas tant de liberté religieuse dont il faut discuter, mais des pratiques religieuses dans ce qu'elles ont de plus concret et qui conduisent à ce que les synagogues soient comparables à d'autres lieux de rassemblement, au sens où les nuisances qui peuvent découler des activités autour d'un lieu de culte ou autour d'une synagogue sont assez proches de ce qui pourrait avoir lieu dans d'autres lieux de rassemblement. Le deuxième point, c'est que les synagogues s'inscrivent dans un débat beaucoup plus large sur des relations qu'on pourrait qualifier de bon voisinage, relations qui seraient caractérisées par la recherche d'un équilibre précaire, ou en tout cas difficile, entre les aspirations et les modes de vie qui, à l'occasion, peuvent sembler irréconciliables. Cette notion de bon voisinage, à partie liée avec celle du vivre ensemble, expression largement mobilisée ces dernières années par les acteurs municipaux. La notion de bon voisinage possède également une dimension normative et implique que les personnes qui forment ou qui participent du voisinage possèdent des normes et des valeurs partagées qui orientent leurs pratiques quotidiennes et les conséquences que ces pratiques peuvent avoir sur les autres membres. Par ailleurs, la notion de bon voisinage implique une dimension contractuelle, même si cette dimension contractuelle demeure le plus souvent implicite, puisque les membres sont prêts à revoir leur comportement dans la mesure où ils ont la garantie que les autres vont jouer le jeu. Les conflits de voisinage émergent quand un ou des membres vont justement venir rompre ce contrat qui est le plus souvent implicite. De ce point de vue-là, les travaux de la juriste de McGill, Shona von Prague rappelle qu'à l'intérieur de notre espace personnel, chacun de nous peut vivre comme bon lui semble. Cependant, cette liberté est limitée par le fait que nous vivons à proximité d'autres personnes. Et enfin, le troisième commentaire qu'on peut faire de cette citation, c'est que
Le dernier commentaire porte sur l'expression de paquet de petites nuisances dont parle l'ancien maire Ferrandez. Petites nuisances qui déclenchent des réactions littéralement épidermiques. C'est-à-dire des réactions qui ne sont pas le résultat forcément d'une construction logique, mais qui s'inscrivent dans le registre de l'émotion et de l'indignation. Et quand je dis ça, c'est que ça ne veut pas dire que ces réactions ne seraient pas justifiées ou légitimes. Ce sont précisément ces petites nuisances qui doivent faire l'objet d'une analyse et d'une compréhension sans être balayées d'un revers de la main et immédiatement déqualifiées. Cela ne signifie pas pour autant qu'elles doivent être systématiquement légitimées. En effet, les façons dont les individus élaborent des représentations des personnes appartenant à d'autres groupes ne sont pas déterminées par des idées générales et abstraites, mais bien davantage par des expériences concrètes, apparemment insignifiantes, mais qui, associées les unes aux autres, peuvent avoir un impact durable sur les perceptions intergroupes. Ça, c'est un point qui me semble vraiment central et que j'ai retrouvé dans les différentes entrevues que j'ai menées. C'est-à-dire qu'à aucun moment, et je dis bien à aucun moment dans les entrevues avec des résidents et des résidentes non hassidiques, la question de la légitimité de la présence des communautés hassidiques a été mise en question. À aucun moment, les gens m'ont dit ils n'ont pas à être là. En revanche, ce qui ressortait, c'était que c'était un ensemble de petits événements ou d'expériences malheureuses ou d'interactions négatives ou ratées qui, à la longue, finissaient par s'accumuler et créer un sentiment extrêmement négatif de la part des résidents. Mais bon. Je sais que sur ce plan-là, de ce point de vue-là, le rapport de Valentina Gaddi aborde cet enjeu-là de façon très claire. L'analyse, dans le cadre du mandat, j'avais réalisé une analyse des articles parus dans trois quotidiens francophones depuis la fin des années 80, et l'analyse des articles parus dans ces quotidiens met en évidence le fait que les synagogues sont devenues des véritables problèmes publics à l'occasion de controverses qui interrogent les relations entre les communautés hassidiques et des citoyennes et citoyens non hassidiques. Et là, je reprends une citation qui me semble tout à fait révélatrice. Donc cette citation, j'aurais pu ne pas mettre la date, et c'est une citation qui aurait été valable à peu près à n'importe quelle année. Donc là, c'est une citation qui vient d'un article de 1988, lorsqu'il y avait eu la première crise d'Outremont concernant les synagogues. Et là, dans cette citation, je la lis, une résidente disait à propos des communautés hassidiques: ils sont dérangeants, envahissants, ennuyants, et en plus, ils ne nous regardent même pas. Outremont ne nous appartient si peu, et si pour encore un peu de temps, quelques-uns se croient encore chez eux, tant mieux. Mais très bientôt, Outremont ne nous appartiendra plus. Donc le propos est virulent. Néanmoins, il y a un certain nombre d'éléments qui sont encore d'actualité. Si on regarde maintenant en ce qui concerne les nuisances qui ont été mentionnés par les résidents et les résidentes. Alors, dans le rapport, je prends le temps, je reviens un petit peu sur la notion de nuisance, parce que c'est un terme qui est propre au droit municipal et à l'urbanisme, qui a un sens bien particulier. Donc, c'est pour ça que c'est important de le souligner. Si on regarde ce que nous dit le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, il est stipulé que la première caractéristique d'une nuisance et d'entraîner de graves inconvénients ou de porter atteinte soit à la santé publique, soit au bien-être général d'une partie ou de toute la collectivité. Le terme nuisance peut englober toute une gamme de situations, odeurs, bruits, poussières, émanations, etc. Le règlement sur les nuisances doit donc définir comme nuisance des phénomènes sérieux et non éphémères. Par exemple, tout bruit n'est pas une nuisance, c'est l'abus du bruit, sa fréquence ou sa répétition à des heures indues qui en fait une nuisance parce qu'il est de nature à troubler le caractère paisible du voisinage. Par ailleurs, il me semble important de distinguer des nuisances qui sont directement liées à l'activité au sein des synagogues
et des nuisances qui sont indirectement liées à l'activité. Quand je dis nuisances directement liées à une activité, ça va être par exemple de la musique ou des chants qui vont être entendus depuis l'extérieur. En revanche, des nuisances qui seraient indirectement liées, ce serait par exemple l'achalandage ou la circulation automobile ou le stationnement en double file. Si on regarde maintenant dans les entrevues, les trois domaines qui ont été le plus souvent mentionnés par les personnes que nous avons rencontrées. Le premier élément, c'est la circulation automobile et le stationnement. Alors, il se trouve que dans le cadre d'un précédent mandat que j'avais réalisé pour le service de la diversité et de l'inclusion sociale de la ville de Montréal, j'avais souligné que la question de la circulation automobile et par voie de conséquence celle du stationnement était la principale source de nuisance que les résidents dans l'ensemble de Montréal faisaient remonter aux différents bureaux d'arrondissement en ce qui concernait la proximité de leur lieu de résidence avec un lieu de culte. De ce point de vue-là, la situation à Outremont et dans le Mainland n'est pas vraiment différente de ce qu'on peut observer ailleurs à Montréal. Un résident de la rue Jeanne-Mance, qui réside sur Jeanne-Mance depuis plus de 40 ans, rappelait en entrevue que le projet d'agrandissement d'une synagogue sur la rue Jeanne-Mance il y a une vingtaine d'années avait poussé les membres du comité des résidents de la rue Jeanne-Mance à se mobiliser. Et il expliquait, je cite, on trouvait qu'il y avait beaucoup de circulation et le double ou triple stationnement était une habitude. Il n'y avait pas encore de piste cyclable sur Jeanne-Mance. Quand je stationnais ma voiture et que je la laissais 10 minutes devant la maison, il y avait rapidement quelqu'un de garé devant. Alors j'allais à la synagogue et rapidement quelqu'un sortait pour déplacer la voiture. En 1999, à l'occasion de la controverse qui avait entouré l'installation d'une synagogue sur la rue du Rocher, à l'intersection de la Joie, des articles de journaux faisaient mention de problématiques similaires. Un article du journal La Presse rapportait que, depuis 1989, plusieurs citoyens sont montés aux barricades et ont décrié le va-et-vient constant et le bruit engendré par la fréquentation de la synagogue, ce qui perturbait la quiétude du secteur selon eux. Et un résident de la rue Hutchison rapportait que la circulation liée à la synagogue, dont l'arrière donne non loin de chez lui, se fait en partie par la ruelle, de sorte que le seul problème, c'est quand je cite, c'est quand ils stationnent en double file, ils viennent bloquer la ruelle, alors tu es mieux de ne pas être pressé. Le deuxième domaine, c'est la question du bruit. Interrogée sur les impacts des synagogues sur son quotidien, une résidente de la rue du Rocher expliquait en entrevue, je cite, honnêtement, le bruit, c'est la raison pour laquelle je veux déménager. Parce que cela fait beaucoup de circulation et beaucoup de bruit. Quand les hommes sortent de la synagogue certains soirs, ils chantent fort, que ce soit à 11 h ou à minuit. Autre exemple, pour un résident de la rue du Rocher, la problématique du bruit est pour lui liée pas directement aux synagogues, mais c'est lié à la fête de Soukhot qui a lieu à l'automne. Et il disait, sur les deux tiers de la largeur de la synagogue, ils construisent une grande soukhot ouverte en haut. Je calcule qu'ils peuvent être entre 50 et 80 à l'intérieur. Ce sont des hommes joyeux qui doivent crier leur amour à Dieu et ils font cela à minuit. Cela ne me fait rien que tu fasses ta célébration l'après-midi, mais passé 21 h, surtout à minuit, cela me fait péter un plomb. Je cite. Une résidente témoignait du sentiment d'un manque de considération envers celles et ceux qui ne sont pas directement concernés par les fêtes. Elle disait, on est témoin de tout cela sans malheureusement qu'on tienne compte du fait que l'on n'est pas tous obligés de fêter. On peut se lever tôt. Parfois, je dois me lever à 4 h du matin pour mon travail. Quand la fête continue jusqu'à minuit ou 1 h, cela ne me convient pas. Et enfin, il y a un troisième domaine qui est tout ce qui concerne la gestion des déchets, qui sont des éléments qui ont été soulignés à plusieurs reprises. Ainsi, plusieurs résidents ont mentionné le problème du stockage des vidanges à proximité des synagogues. Selon l'un d'entre eux, et je cite, les poubelles, il y en a énormément. Sur les photos, parce que cette résidente m'a envoyé des photos, vous verrez que les bacs à poubelles occupent les deux tiers de la largeur de deux triplex. Au début, c'était simplement un monceau de sacs placés sur leur ligne de propriété. Et l'été, quand il fait 30 degrés, avec les ratons laveurs et les écureuils, je vous laisse imaginer. Finalement, des bacs sont arrivés, mais cela ne suffit plus. Pour plusieurs résidents et résidentes,
La gestion des vidanges aux abords des synagogues serait d'autant plus problématique, comme on l'a vu dans la citation, lors des périodes de grande chaleur. Une résidente disait, je cite, « La gestion des déchets est une catastrophe, c'est débile. Tout le temps, c'est sale. Quand il y a beaucoup de monde et de fêtes, cela génère des déchets et la ville ne s'en occupe pas nécessairement. On vit dans des déchets constamment, cela crée des odeurs et cela crée des rongeurs. Vous ne pouvez pas vous asseoir sur votre perron sans avoir des odeurs de poubelle et l'été, ce sont même des petits vers blancs. » Donc voici un petit peu les différents éléments qui avaient été mentionnés par les résidents. Alors, comme ça fait plus d'une heure que je parle, je vais conclure. En guise de conclusion, j'aimerais insister sur trois éléments. Le premier élément, c'est qu'il y a en effet une croissance des communautés et qu'il y a des besoins en termes de synagogues. Ces besoins ne sont pas forcément des besoins liés à la croissance numérique des communautés, mais c'est également lié au fractionnement institutionnel et à l'arrivée de nouvelles communautés à Montréal. En revanche, le terme de pénurie utilisé ce matin dans l'article de la presse, je n'y souscris pas. Deuxième élément, je n'ai pas tellement le temps d'en parler, mais c'est dans le rapport. Il y a vraiment tout un enjeu dont il faudra, à mon avis, discuter dans les années à venir, de l'équilibre à trouver entre la liberté de religion garantie par les chartes et la recherche du bien commun qui dépasse les appartenances communautaires. J'en parle dans le rapport parce que dans les entrevues, c'est quelque chose qui, à plusieurs reprises, les responsables des synagogues me disaient « L'arrondissement doit nous trouver des lieux parce que nous sommes protégés, c'est des droits constitutionnels qui sont protégés, garantis par les chartes. » Or, et je l'explique parfaitement, je l'explique dans le rapport, c'est que oui, la liberté de religion est protégée, mais que ce que dit la jurisprudence, il y en a plusieurs cas, la liberté de religion n'est pas une liberté illimitée. Et donc, elle est toujours située dans un certain contexte. Et enfin, le troisième élément, à mon avis, qui est important, c'est qu'il s'agit de resituer les cas des communautés hassidiques à Outremont et dans le Mainland dans la problématique plus large de la présence des groupes religieux minoritaires à l'échelle de la ville de Montréal. Parce que oui, il y a des éléments qui sont vraiment propres au cas outremontais et dans le Mainland, mais quand on regarde ce qui se passe dans d'autres arrondissements, on voit qu'il y a vraiment un certain nombre de dynamiques et de phénomènes qui sont similaires. De ce point de vue-là, les partages d'expériences entre les différents arrondissements sont évidemment les bienvenus. Et donc, je m'arrêterai là-dessus. Merci, docteur Dejean, pour votre conférence. Un grand sujet. Je suis certaine qu'il va avoir plusieurs questions. Avant de donner la place aux questions, je voulais souligner la présence de notre nouveau maire, M. Desbois. Alors, bonsoir, M. Desbois. Si vous voulez nous dire un petit bonjour, n'hésitez pas à ouvrir votre micro. Sinon, je vais dire aussi bonjour à nos élus, Mesdames Brown, Patro, Polak et Mme Potvin aussi que j'ai vue, mais qui a peut-être dû quitter. Alors, merci à nos élus d'être là. Je vais prendre les tours de parole avec la fonction « lever la main ». Alors, si vous souhaitez prendre la parole et poser une question à notre chercheur, Dr. Dejean, s'il vous plaît, levez la main. Je crois que M. Lacerte a ouvert son micro. Peut-être que vous aviez de la misère à trouver la fonction « lever la main ». Je vous donnerai la parole d'entrée de jeu. Là, allez-y, M. Lacerte. Oui, bonsoir, bonsoir, M. Dejean. Bonsoir, tout le monde. Évidemment, la problématique est très large et très complexe. Et je n'ai pas la prétention de pouvoir faire le tour et je n'ai pas l'intention de faire le tour. Il y avait seulement quelques points sur les nuisances, par exemple, le nombre de fidèles ou le nombre de voitures. J'ai, pendant quelques mois, il y a quelques années, j'avais enregistré ce qui se passait uniquement à la synagogue qui était devant chez moi sur les rues Hutchison. Et j'avais obtenu des chiffres de nombre de personnes qui entraient dans cette synagogue-là
chaque jour, ça variait de 53 à 276 personnes par jour qui entraient dans une petite synagogue et plus lorsqu'il y avait des fêtes particulières. Alors, quand on parle de nuisance dans une toute petite synagogue, c'est déjà beaucoup. Le nombre de voitures, on n'en parlera pas, le nombre de stationnements en double, etc. Un autre point qui est très difficile à endurer, c'est le non-respect des normes et même des ententes prises avec les autorités municipales. Vous avez parlé, M. Dejean, tout à l'heure de la problématique de la synagogue de la rue Jeanne-Mance il y a 20 ans, où pendant, on avait conclu une entente, bon, vous voulez agrandir, on va vous donner un deuxième triplex, mais après ça, on arrête. Évidemment, après ça, il est arrivé une autre demande et ce n'était plus les mêmes élus qui étaient en poste et puis ils avaient un ancien lobbyiste de cette congrégation-là qui s'était hissé à la tête du comité d'urbanisme, évidemment, et ça avait été accordé à cinq triplex. Et c'est des choses qui... Et le non-respect des normes et le non-respect aussi même des gens, quand on voit l'état, la façade de ces synagogues-là, encore aujourd'hui, après 15 ans, au coin de Park et Van Horn, c'est absolument détestable et lamentable. Quant au nombre de synagogues, on parle d'un problème de multiplication. C'est un problème de multiplication de sous-sectes. Parce qu'au fond, c'est comme un culte de personnalité des rabbins de chacune des villes d'où proviennent ces fidèles. Ils ont la même religion, la même Torah, la même langue, mais selon la personne qui est le rabbin qui vient de l'endroit ou du pays d'où ils sont originaires. C'est une multiplication de sous-sectes. C'est une religion à fragmentation dans le cas de ces sectes-là. Et est-ce qu'on est en devoir de permettre à tout un chacun qu'il soit que quelques familles dans une secte ou qu'il soit plus nombreux dans une autre, d'autoriser la surmultiplication de lieux de culte pour une même religion, on s'entend. Quant à la distance de marche qui semble faire, on y porte prête beaucoup d'attention, mais il faut quand même savoir qu'il y a à peine 5 % des gens des communautés hassidiques qui ont plus de 65 ans. Alors, la distance de marche, est-ce qu'il faut tenir compte d'un enfant qui soit en mesure de se rendre là ou d'un vieux monsieur presque grabataire, faut qu'il soit en mesure de se rendre à son lieu de culte? C'est impossible. Alors, ça, c'est vraiment quelque chose qui n'a pas de bon sens. Est-ce que 1 kilomètre, c'est trop? Moi, je sais que la synagogue devant chez moi appartient à des gens très connus. Et il faisait beau jour, mauvais jour, 915 mètres pour s'y rendre. Bon, ben, si ces gens-là sont capables de faire 915 mètres, j'imagine que c'est possible pour tout le monde. C'est la problématique, ils empirent la situation en disant que c'était intenable, mais à mon sens, ça ne tient pas la route. Ils veulent tout là où ils veulent et quand ils le veulent. Et même, vous parliez de Luc Ferrandez tout à l'heure. Monsieur Lasserte, je m'excuse tellement, Monsieur Lasserte. Dans le fond, j'aimerais peut-être recentrer un peu là, cette période. Le but, c'est vraiment de poser une question concernant ce que Monsieur Dejean a dit dans sa conférence. Peut-être pas nécessairement de donner des commentaires ou des opinions peut-être personnelles là, pour... Vraiment pour le propos de ce soir, M. Lasserte, si vous pouviez, n'hésitez pas. Là, moi, j'ai retenu certaines questions. Je pense que M. Dejean peut répondre. Alors, si vous pouviez conclure et
Peut-être Oui, une ben je vais dernière conclure question, ça en sera précis. demandant, à M. Dejean s'il si croit que les arrondissements ou les municipalités ont le devoir de trouver des locaux pour les lieux de culte, comme il l'affirme, comme certains d'entre eux l'affirment. Sur cette question-là, est-ce que l'arrondissement a le devoir? Alors, ce n'est pas moi qui va répondre, c'est la jurisprudence. La jurisprudence, il y a un cas très connu de la Cour suprême, des témoins de Jéhovah contre Saint-Jérôme. Ce que dit la jurisprudence, c'est qu'un arrondissement n'a pas le devoir de trouver des locaux, mais en revanche, il ne peut pas avantager ou désavantager un groupe par rapport aux autres. Et vous avez plusieurs décisions dont je parle dans le rapport, et notamment le cas bon, qui avait été cité dans l'article de la presse, une décision de la Cour supérieure, ensuite ça a été en appel, d'un procès, une affaire entre la ville de Montréal et une église évangélique d'Annecy, où le juge dit que dans un arrondissement, en gros, la ligne de défense de l'église, c'était de dire que l'arrondissement devait les autoriser à rester parce que dans l'arrondissement, il n'y avait rien d'autre. Mais le juge a dit que l'arrondissement n'a pas pour obligation de garantir à ce qu'il trouve. En revanche, il serait discriminatoire qu'il n'y ait aucun espace disponible dans une municipalité, en l'occurrence, c'était le cas de Saint-Jérôme. Et même dans le cas des arrondissements, peut-être que ça pourrait être différent parce qu'on est en milieu urbain. Et donc, quand vous traversez une rue, vous êtes dans un autre arrondissement. Quand vous traversez autre chose, donc, moi, ma réponse, c'est ça. C'est-à-dire que, d'ailleurs, dans le rapport, à aucun moment, je vais dire l'arrondissement a le devoir. Puis ça, si un jour ça doit être devant les tribunaux, ça sera un juge qui va le dire, c'est pas moi. Donc de ce point de vue-là, c'est pour moi, je suis assez clair. Il y a un élément intéressant dans ce qu'a dit Monsieur Lacerte, c'est la question en effet, de ce fractionnement institutionnel qu'on retrouve. Ce qui est intéressant, c'est moins connu, mais on retrouve exactement le même type de fractionnement dans le protestantisme. En sociologie des religions, on parle de fissiparité protestante pour montrer à quel point les églises protestantes se divisent et se subdivisent à l'infini. Et la question du culte de la personnalité, dont vous parliez, Monsieur Lasserre, c'est exactement la même chose dans le cas des églises. C'est-à-dire qu'une église fondée par un pasteur, il va y avoir une chicane, et c'est pas grave, un leader de l'église va partir avec une partie des fidèles pour ouvrir une autre église. Après, le problème, c'est que je ne pense pas que ce soit le rôle d'une ville et encore moins d'un arrondissement de statuer sur qu'est-ce qui est bon ou pas bon sur le plan religieux, parce que finalement, ce qui concerne le religieux en tant que tel, c'est pas son, je dirais, c'est pas sa prérogative. Donc c'est ça, voilà ce que je pourrais répondre. Ben, merci pour les commentaires. Merci, Monsieur Desjean. Alors, je laisserai la parole. Je ne sais pas, Madame ou Monsieur, désolée si je ne dis pas bien votre nom, Cressati. Bonjour, Catherine Cressati. J'aimerais poser une question, en fait, sur on peut dire, peut-être une aberration ou un non-sens, qui est lorsqu'on parle de vivre ensemble, alors que il n'y a pas possibilité, en fait, de vivre ensemble, puisque les valeurs et la raison d'être de la communauté est justement de vivre de façon isolée avec leur commerce, avec même leur ambulance, donc, et de ne pas avoir du tout de contact avec ce que vous pouvez dire la population non hasidique. Donc, à mon avis, et là, c'est là que je pose la question à Monsieur Dejean, quand on parle de vivre ensemble, n'est-ce pas une espèce de peut-être de désir qui, oui, vivre ensemble, mais qui n'est absolument pas possible entre deux populations qui ne partagent pas de valeurs communes. Donc, et on le voit à plusieurs égards. Donc, ce serait ça ma question. Le vivre ensemble est-il une aberration dans le cas de cette communauté? Je réponds à ça.
Je suis désolé, mais je ne peux pas répondre à cette question-là. Ce n'est pas du tout ce sur quoi j'ai travaillé, ce n'est pas ce sur quoi j'ai travaillé. Ça, ce n'est pas de mon ressort. Moi, ce que j'observe, alors en effet, vous avez parfaitement raison, et puis eux-mêmes, les membres des communautés le disent, oui, en effet, on veut préserver un mode de vie, mais néanmoins, et ça, c'est un avis pour le coup plus personnel, je pense qu'il y a une évolution et qu'il y a un certain nombre de personnes au sein des communautés hassidiques qui ont conscience qu'ils n'ont pas le choix que d'établir des contacts. Et le fait que, oui, ils veulent vivre séparés, dans une certaine mesure, mais en même temps, ça relève aussi de leur droit le plus strict. Donc, je suis vraiment désolé, mais là, je ne vais pas aller sur ce terrain-là parce que ce n'est pas du tout mon domaine de compétence. Ça relève quasiment d'une réflexion de philosophie politique et ce n'est pas du tout le terrain sur lequel je suis le plus à l'aise. Mais je pense que la question est super importante. Hein. Je pense que c'est une question qui est très pertinente. Puis d'ailleurs, c'est une question. Moi, j'ai fait une présentation à la table de concertation du bon voisinage. Et sans aucun tabou, cette question, elle émerge. Cette question, elle émerge, quoi. Donc c'est ça. Si vous me permettez, pour une continuation de la question, je suis Monsieur Cressati. Est-ce que vous savez pourquoi, vu la situation des déchets que vous avez constatés, pourquoi les villes ne réagissent pas? Est-ce que vous avez analysé pourquoi les villes, si c'est un constat que beaucoup de situations découvrent, est-ce que vous avez demandé aux villes pourquoi ils ne prennent pas action de le faire? Et je pose cette question parce qu'il y a eu plusieurs interventions où on appelle les villes et on sent que les fonctionnaires ont, quand ça s'agit de la communauté, il y a une peur d'aller les voir. Alors, je ne sais pas si dans votre analyse, vous avez le vivre ensemble, mais indépendamment du vivre ensemble, l'application des règlements, que ce soit le stationnement en double, dès qu'il y a affaire avec cette communauté, on a l'impression, avec les faits, que ce soit au niveau de la police et au niveau des villes, il y a une réticence d'appliquer les règlements qui sont facilement appliqués sur les autres communautés. Là encore, je ne suis pas la bonne personne pour répondre à ça. Si le nouveau maire d'Outremont est toujours en ligne, ça va faire une question qui lui est adressée. Mais moi, tout ce que je peux vous dire, c'est que alors, le commentaire que vous faites est tout à fait pertinent et légitime. Ce commentaire-là, je l'ai entendu à plusieurs reprises dans les entrevues. J'en ai parlé quand j'ai fait des entrevues avec les fonctionnaires. J'ai posé la question de pourquoi il y a ce sentiment-là de la part des résidents. Pour les fonctionnaires avec lesquels j'ai parlé, eux, ils disent qu'ils s'occupent de ces affaires-là. Par exemple, sur les déchets, ils m'ont dit, bah voilà, il y a quelques mois, on a traduit des documents, notamment en anglais, en ce qui concerne la gestion des vidanges. Mais à savoir pourquoi est-ce que les villes n'interviennent pas, là-dessus, je ne peux pas répondre. Alors, peut-être que Madame Leblanc... Oui, je vais peut-être prendre un peu cette perche. Comme Monsieur Dejean vient d'indiquer, là, on intervient avec les pouvoirs qu'on a, les règlements sont appliqués, et puis je vais vous mettre le courriel dans la zone de clavardage, vous pouvez aussi appeler au 3-1, on fait des suivis à chacun des courriels qui est envoyé par nos citoyens, notre population, c'est extrêmement important. Dans le fond, il y a la conférence de M. Dejean aujourd'hui, il y a un autre rapport qui va être déposé au prochain conseil de Mme Gadi qui a fait d'autres types d'analyse et d'études. Alors, je crois qu'avec cette prochaine étude, il y aura peut-être un peu plus d'informations qui sera présentée et dont les analyses là, pourront nous permettre là, d'aller un peu plus loin dans notre réflexion. Alors, merci, monsieur et madame Cressati. Je vais donner la parole à monsieur Jacques Savary.
Bonsoir, Monsieur Desjean. Ma question porte sur un des aspects de votre rapport qui n'est pas précisé ou qui n'est pas très défini. C'est la question de la distance. Vous parlez qu'il y a trop de distance, c'est un problème de distance, mais vous ne précisez pas, vous ne quantifiez pas, mais vous ne définissez pas ou vous ne précisez pas quelle est la problématique autour de la distance, puisque quand on demeure à Outremont, on peut atteindre les extrémités de l'arrondissement en 20 minutes de marche. Où qu'on soit à Outremont, on peut atteindre les extrémités de l'arrondissement en 20 minutes de marche. Alors, j'aimerais que vous précisiez cet aspect-là ou cette question de distance-là qui semble être problématique et qui serait à l'origine du besoin de créer d'autres synagogues. Dans le fond, c'est ce dont a parlé tout à l'heure monsieur Lasserte, c'est qu'en effet, dans la tradition juive, vous avez là, dans un certain nombre de textes où c'est codifié cette question de la distance par rapport à la synagogue. Et il y a également aussi l'enjeu au moment de Shabbat de ne pas avoir le droit de transporter, par exemple, vous ne pouvez pas transporter des objets, vous ne pouvez pas pousser une poussette, et donc c'est pour ça ce qui permet d'expliquer la présence de l'érouve, ce qui est un autre enjeu de débat, mais c'est la présence de l'érouve qui permet de le faire. Donc la question de la distance est vraiment liée à des impératifs qui sont des impératifs de nature religieuse. Et il est possible que je ne les ai pas précisés dans le rapport, et dans ce point-là, je fais amende honorable parce que j'aurais dû le préciser, mais si je fais une autre version du rapport, je pourrais l'inclure. Si vous me permettez une sous-question, c'est donc un conflit entre, si je peux m'exprimer ainsi, la conception séculaire d'une société et la conception religieuse d'une société. Est-ce que la loi de Dieu est plus importante que la loi des hommes, là, si je peux m'exprimer ainsi? Et c'est à ce moment-là, ça mène un peu à un fractionnement de la société, puisque chaque petit groupe peut invoquer sa loi et au pis-aller, amener ça à une guerre, comme on le voit dans certains endroits. Alors, c'est simplement un commentaire, là, je ne vous demande pas de vous lancer dans une analyse sociologique, mais juste pour terminer là-dessus. Mais en même temps, c'est un commentaire qui est très pertinent, et je pense que dans les réflexions à venir, on n'a pas le choix que puis toute la tradition qu'on regarde, la réflexion juridique sur ces questions-là, notamment, pas forcément juste au Québec, mais au Canada, et même une grosse littérature juridique là-dessus américaine, toute la question de comment concilier des impératifs religieux qui sont liés à des communautés particulières avec une conception de la société qui est collectivement partagée. Et donc, il y a en effet une discussion à avoir sur les possibilités de cohabitation de ces différentes modalités de vie collective, finalement. Donc, je pense que le commentaire est tout à fait pertinent. Et ce que je dis, c'était l'intérêt, enfin, c'est le pourquoi de la troisième partie du rapport, cette question de la liberté de religion, parce que je pense que dans les années à venir, c'est quelque chose qui va être important. Merci, Monsieur Desjean. Je laisserai la parole à Camille. Oui, bonjour. Merci beaucoup pour votre présentation et pour votre rapport que j'ai lu. Avant aujourd'hui, j'ai trouvé ça très intéressant. J'ai appris beaucoup de choses. Ça m'a fait réfléchir. Ma question, elle est très simple. Est-ce que vous avez interviewé des femmes des communautés hassidiques dans votre rapport? Et sinon, pourquoi pas? Non, j'ai pas interviewé de femmes parce que le mandat, c'était... Je parlais avec des représentants et des leaders des communautés. Les représentants sont des hommes. Et donc c'est vraiment la raison principale. Après, je pense que dans le rapport de Valentina Gadi, là, il y aura des choses plus liées aux femmes.
Bon, après, il y a aussi une question de relation entre les hommes et les femmes qui se passe. Je ne sais pas si ça aurait pu être systématiquement possible, même si, en effet, je pense que ça aurait été envisageable dans certaines situations. Je pense, lorsqu'on a eu les rencontres, lorsque j'ai fait ma présentation devant la table de concertation, il y avait des femmes assidiques qui étaient là et on a pu discuter là-dessus. Merci. Alors, je laisserai la parole à Madame Diane Shea. Bonsoir. Merci beaucoup, Monsieur Dejean. J'aimerais dire en premier, j'aimerais répondre à Madame Cressati peut-être un peu. Et j'aimerais dire que, bien sûr, j'ai beaucoup de voisins anglophones, francophones, hassidiques, non-hassidiques, avec qui je ne connais pas très bien et je ne dis pas allô à tout le monde dans les rues. J'aimerais dire aussi que pendant les dernières 10 années, il y a beaucoup d'efforts au Outre-Monde dans la communauté. Moi, j'ai beaucoup d'amis dans la communauté hassidique. J'ai des voisins très gentils, j'ai des bonnes relations. On fait des efforts ensemble pour trouver des solutions ensemble à toutes ces petites stéréotypes qu'on entend. La communauté est fermée, il y a beaucoup de poubelles. J'aimerais dire que si on fait des petits efforts, on peut faire des amis, on peut avancer le dialogue, on peut trouver des solutions ensemble. Et j'invite à tout le monde d'être un peu ouvert et ouverte à trouver les solutions ensemble. Parce qu'on a déjà avancé beaucoup. Je pense qu'on peut bien sûr continuer d'avancer, de travailler ensemble, toutes les communautés d'Outremont. Et il y a beaucoup des amis assidiques qui parlent français. Et ce n'est pas vrai qu'ils ne parlent pas français, qu'ils ne sont pas ouverts, qu'on ne peut pas parler avec les femmes et tout ça. Ce n'est pas vrai parce que j'ai beaucoup d'amis. Alors, j'espère qu'on peut continuer d'avancer et merci, Monsieur Desjean, pour votre présentation. Merci. Merci, Madame Shea. Je laisserai la parole à Donna. Désolée, je n'ai pas votre nom de famille. Merci. C'est Donna Mergler. Merci, M. Desjean, pour votre présentation. Malheureusement, je n'ai pas eu le temps encore de lire le rapport. Par contre, j'ai une question. Comment est-ce que la situation à Outremont se compare en ce qui concerne les synagogues, et je comprends que c'était votre mandat, se compare avec la situation dans d'autres lieux où il y a une forte population hassidique grandissante, comme Williamsburg, Brooklyn, ou Kirill Joel dans l'État de New York? Comment est-ce que vous voyez, est-ce que ces municipalités sont arrivés à ce qu'on appelle un bon voisinage? Comment est-ce que l'évolution de ce qui s'est passé ailleurs se compare avec ce qui se passe ici? Et qu'est-ce qu'on peut apprendre de ce qui s'est passé ailleurs? Est-ce que vous pouvez juste... Pas bien compris la fin quand vous parliez de l'abolition de la situation. Excusez-moi. Non, pas du tout. C'est comment est-ce que notre situation ici, de l'accroissement d'un secte à l'intérieur d'une municipalité, la demande de plus de synagogues,
se compare avec d'autres villes qui sont également comme Williamsburg, où il y a une forte présence hassidique à l'intérieur de Brooklyn, ou Kiryat Joel, qui est une communauté hassidique, quasiment une municipalité en soi. Donc, ma question, c'est dans vos lectures et dans votre rapport et la façon que vous voyez la situation ici, j'imagine que vous avez comparé avec la situation des situations similaires ailleurs. Ben, ce qui est particulier, c'est que les situations ailleurs, justement, ne sont pas vraiment... sont pas vraiment similaires, parce que ce qui fait la particularité d'Outremont, c'est d'encore, j'aurais pas dire ça, mais c'est d'avoir justement une diversité sociale importante, parce que les cas que vous mentionnez dans votre commentaire, c'est des cas, que ce soit Williamsburg notamment, où le peuplement est rendu quasiment où les résidences sont quasiment l'entièreté de la population et de confession hassidique. En revanche, ce qui est intéressant, je pense, c'est pas forcément de comparer avec d'autres quartiers hassidiques, parce que justement ces quartiers-là, il n'y a pas forcément de mixité, mais c'est de comparer avec des villes avec une forte diversité religieuse et avec une situation similaire où des groupes religieux sont demandeurs d'espace culturel. Donc là, de ce point de vue-là, on a une littérature qui existe et qui est intéressante, notamment ce qui ressort des travaux disponibles, c'est que les pistes de solutions sont toujours... sont toujours dans un va-et-vient et dans une discussion conjointe, et surtout dans la capacité des acteurs en présence ou des groupes en présence à faire un pas, c'est-à-dire à reconnaître la légitimité des uns et des autres. Mais dans le cadre de ce mandat-là, je n'ai pas creusé en profondeur la question de la littérature disponible, sachant que sur le cas, alors peut-être que Valentina, elle le saura probablement mieux que moi, mais il y a une littérature en urbanisme ou en aménagement où on traite de la question des lieux de culte minoritaires aux États-Unis, mais je n'ai pas trouvé de travaux portant spécifiquement sur la question de la gestion des synagogues hassidiques dans les contextes urbains dont vous faisiez mention dans votre question. Mais si peut-être que Valentina a des références qu'elle pourra partager, soit dans le clavardage, dont elle parlera dans sa présentation. Merci, Monsieur Dejean. Ça ouvre bien la porte à notre prochaine conférence là, avec Madame Gadi et le dépôt de son rapport qui sera diffusé après le conseil du 6 décembre. Alors, je ne vois pas d'autres questions dans... Donna, vous vouliez peut-être faire un petit complément? Vous avez relevé la main, Donna? Sinon, je vais laisser la parole à madame... Non, c'est l'audio. Excuse-moi. Pas de problème. C'était l'audio qui était fermé. Désolée. Je suis assez vieille pour me rappeler que quand Brooklyn était diversifié. Donc, il y a eu une évolution là qui fait en sorte qu'aujourd'hui, ce n'est pas. Je pense que c'est pertinent pour essayer de comprendre qu'est-ce que Outremont, nos quartiers, notre municipalité va devenir avec le temps, d'essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé ailleurs, pour peut-être éviter. Et je ne suis pas tout à fait d'accord avec l'idée de... Il y a une différence entre plusieurs groupes minoritaires
sur un territoire ou dans une municipalité et un groupe qui devient un bloc minoritaire de plus en plus grande, que ce n'est pas tout à fait la même problématique. La problématique de plusieurs groupes, que ce soit évangélique, hassidique ou autre, sur un même territoire, ici, on parle d'un groupe. Et donc, je ne pense pas que c'est tout à fait identique. Et j'aimerais une réponse là-dessus. Ouais, mais là, j'ai mieux compris votre question, mais c'est que votre question porte sur l'évolution démographique et l'évolution du peuplement. Et la question, c'est finalement savoir, si je traduis, c'est qu'est-ce qu'il faut faire pour que Outremont, dans quelques décennies, ne soit pas un quartier qui ressemble à ce qu'est aujourd'hui Williamsburg à Brooklyn. Si c'est le sens de votre question, alors là, pour le coup, mais je ne peux absolument pas, je suis absolument pas en mesure de vous répondre. Et je vois d'ailleurs même qui pourrait répondre à cette question-là. Ma question, c'est beaucoup plus, est-ce qu'on comprend ce qui s'est passé là, ce qui s'est passé strictement avec les synagogues? C'était quoi l'évolution là? Est-ce qu'on peut apprendre de ce qui s'est passé là? Si on décide à Outremont, qu'on laisse Outremont aux hassidiques, comme Kirill Joel est une ville hassidique, okay? c'est une chose. Mais c'est de comprendre c'est quoi, qu'est-ce qui s'est passé ailleurs, dans une place comme Williamsburg, par exemple. La question des synagogues s'est certainement posée là. Ils ont vécu tout cela. Ce n'est pas l'idée de dire est-ce que ça va être ça dans 10 ans. C'est l'idée d'essayer de comprendre pour, si on veut, donner des droits égaux aux hassidiques et, si je peux dire, aux athées. Je pense que je m'excuse, okay, Madame donc Donnant. J'arrête là. Oui, parce que comme je disais, le but, c'est peut-être pas de partager oui. nos opinions. C'était vraiment de clarifier le propos. Là, puis on comprend bien, dans le fond, votre questionnement, mais peut-être que M. Dejean, dans le fond, ce n'était pas le propos de la conférence de ce soir, mais extrêmement intéressant là, de pousser peut-être oui. plus la question par la suite. Alors, j'aurais deux autres questions et puis on va terminer notre soirée avec ça. Sinon, on va y rester. C'est un sujet passionnant. Alors, je laisserai la parole à Mme Beaudoin. Oui, merci beaucoup pour la présentation. C'est très, très intéressant. J'ai fait un propos dans le chat. Premièrement, c'était juste pour, dans le fond, préciser au niveau des éléments là, que vous avez relatés, les critères ou les points sur lesquels la communauté avait des questionnements, puis ce qu'ils proposaient comme solution. Mon point, c'était juste comme peut-être clarifier ces points-là, parce que la façon dont c'était écrit, c'était peu clair. Donc, je crois qu'il y aurait avantage à bonifier ces propos-là, parce que il manque d'un peu de clarté. Ça a été fait peut-être à la va-vite, là, je ne sais pas. Alors, c'était un point pour bien comprendre, dans le fond, leur proposition. Puis, moi, je voudrais peut-être juste apporter peut-être un point, c'est que dans toute ville, dans le fond, au niveau urbanisme, quand il y a des lieux culturels, quand il y a des lieux de rassemblement, il y a une certaine structure qui est faite, il y a des zonages qui sont faits pour, dans le fond, s'assurer que la ville fonctionne très bien. Alors, si certains lieux de culte, certains lieux communautaires, certains autres lieux sont dispersés à travers la ville, bien, il faut s'assurer qu'il y ait un certain flux au niveau de la population qui puisse, si on veut, dans le fond, en théorie, vivre ensemble. Alors, c'est ça, je pense que la question de ce soir, là, c'est vraiment
voir de quelle façon la question qui se pose, de quelle façon les stratégies pour que les communautés vivent ensemble, parce que je ne pense pas que la volonté de tous est de vivre de façon séparée dans l'agglomération, dans Outremont, dans le fond. Donc, les solutions doivent être discutées entre les différentes communautés, que ce soit les Juifs à Tsidim ou peu importe lesquels, puisqu'il y a plusieurs gros autres aussi minorités qui ont des demandes aussi. Alors, c'est ça mon point. C'est pas vraiment une question. Oui. Non, mais juste pour la clarification, peut-être que soit revenir dans, parce que c'est possible que ce qui est apparu dans le rapport, je détaille davantage les propos, mais là, comme j'ai été pris par le temps, peut-être que il y a des choses qui me semblaient évidentes et peut-être qu'il n'était pas. Mais s'il y a besoin, il me sera toujours possible dans le rapport de proposer d'ajouter des éléments qui pourraient venir bonifier le rapport, et c'est tout à fait je suis tout à fait ouvert à ça, quoi. Bien sûr. Merci. Alors, dernière question, Monsieur Desbaillés. Oui, bonjour. Vous m'entendez? Vous m'entendez, madame? Oui, on vous entend. Ah, d'accord. OK. Ben, bonne soirée, madame Leblanc et le professeur Desjean. Donc, je vais dire brièvement, parce que, évidemment, on a déjà eu une belle discussion. Il faut quand même constater que la participation de la communauté assidue ce soir n'est pas très forte, c'est-à-dire, à part de Mme Pollack, quelques d'autres peut-être, je vois que la discussion n'implique pas beaucoup de monde de cette communauté-là, et ça m'inquiète un peu. Donc, question très pratique pour M. Desjean. Est-ce que vous avez un budget justement pour faire la traduction de votre rapport très important en anglais? Ou bien, s'il y a des autres mesures, et peut-être Mme Leblanc peut répondre à ça, envisager justement pour rendre le rapport plus accessible à nos voisins assidiques. C'est extrêmement important que ce rapport-là est accessible à la plus grande nombre possible. Donc, ça, c'est mon question. Merci. Alors, je vais me permettre de répondre, étant donné que, dans le fond, l'étude a été payée par l'arrondissement d'Outremont. On planifie faire une traduction professionnelle. Et puis, aussi, on a demandé, mais date à confirmer, là, à M. Desjean, de faire aussi une conférence en anglais, justement, pour pouvoir briser certaines barrières et s'assurer que tout le monde puisse participer à la diffusion de ces informations, M. Desbaillés. Il y a quand même eu quelques personnes de la communauté qui s'est joint là, au courant de la soirée. Mais sûrement que dans une autre conférence, on aura l'occasion là, de pouvoir diffuser ces informations-là aussi. Alors, il est 9h05. Je tiens à souligner vraiment la participation de tous et de toutes. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci à notre conférencier, M. Desjean. Extrêmement intéressant comme sujet. Alors, est-ce que vous vouliez dire un petit mot de conclusion, M. Desjean, avant que je fasse la vraie conclusion par la suite? Bonne soirée. Alors, encore une fois, merci d'avoir été là. Merci à nos élus, nos citoyens et citoyennes. Et puis, la suite s'en vient bientôt avec un autre rapport de Mme Gadi, conférence à suivre. Merci beaucoup tout le monde. Bonne soirée. Merci, bonsoir. Merci, bonne soirée. Merci, bonne soirée.